Salut tout le monde, c'est Kouayuki, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Mad Max. On va pouvoir continuer du coup ce qu'on avait entrepris, c'est-à-dire le nettoyage de toutes les zones. Salut Simili, ok c'est noté. Du coup comme je disais, on va continuer ce qu'on avait commencé depuis le début de ce let's play au final, c'est-à-dire le nettoyage de toutes les zones. Final touch, we can and must lay at Dirtgash's stronghold. Ah oui, oui, c'est ça. Hop. Du coup. Hop. Non, c'est ça, voilà. Je me rappelle où se trouve la carte. On est sauvé. Donc, ici, il nous restait juste le convoi. Les convois, j'ai dit pas tout de suite. Parce qu'il faudra d'abord que. Voilà. J'ai envie d'améliorer encore ma voiture avant de faire ça. Et donc, on va s'attaquer à la zone des rafales. Donc, toutes ces petites choses là qu'on a à faire. Et puis, toutes les petites choses qui sont là, on les fera en dernier. Et ma foi, ça me paraît... Enfin, je veux dire, on a encore beaucoup à faire, quoi. Et ensuite, il faudra s'attaquer au... Et oui, très bonne nouvelle. Ensuite, on s'attaquera au nettoyage de toutes les zones qui sont là. Donc, pour ceux qui en ont déjà marre de ce qu'on fait ici, vous n'êtes pas sortis de l'auberge. Ensuite, je parie que ce sera autour de cet endroit où on pourra tout nettoyer. Ensuite, il y a ici où il va y avoir des choses aussi à faire. Et enfin, on arrivera là. Donc, je vous le dis, mes amis, nous ne sommes pas prêts de terminer ce jeu. Donc j'espère que vous l'appréciez autant que moi. Et puis bah sinon bah désolé, mais j'ai l'intention de continuer encore et encore et encore parce que j'aime ça. Voilà. What? Désolé, mais la tempête noire, non, je veux pas, j'ai pas envie. Du coup, on sort et on rentre. Ok. Mais oui, comme il dit, est-ce que c'est bon? Ou est-ce qu'il va encore me dire attention, la grosse tempête, elle arrive? Elle est toute méchante. Oui, 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 les courses à la mort, on verra ça après, hein. Hop, là tout de suite on va aller s'occuper de... d'un petit camp. Oh non, pitié. Oh, c'est toujours pareil avec eux, il faut les courser, il faut les abattre, parce que sinon... C'est ça, vas-y. Hop. On commence très très bien. C'est bon? Mais dis donc, mais c'est qu'il a pas l'air d'avoir envie de se battre celui-là? Si? Ah bah quand même! Je t'emmène avec moi? Bah alors? Bah alors, on n'a pas envie de rester? Bah alors? Bah qu'est-ce qui t'arrive, Coco? Bah qu'est-ce qui t'arrive? T'as plus envie de jouer? T'as peur d'abîmer ta titure? Ah bah c'est dommage. Voilà, on commence très bien. Keep the car safe. Oh là là. Allez. La ferraille. C'est bon, la ferraille. Bien. Alors, je tiens à préciser que ceci n'est pas de ma faute. Il s'est trouvé sur mon chemin. Il voulait absolument jouer avec moi. Et bien, nous avons joué. Et il a perdu. Malheureusement pour lui. Quoi, plus de motivation dans ta voix pour cela. Je suis désolée, ok. J'ai des soucis, voilà. Et du coup, ça, voilà. Mais ça va aller, et puis j'ai un peu faim aussi, peut-être que ça n'aide pas. Hop. Bien. Alors.
On va foncer sur cette personne qui a besoin d'eau. Je sais pas si faire des roulades ça avance plus vite, mais ça m'éclate. Je vous dis pas quand on sera dans la zone enneigée le nombre de roulades qu'on va se faire juste pour faire oui la neige. Enfin, je crois avoir vu une zone enneigée, si ça se trouve, c'est pas de la neige. Okay. Hop, tiens, allez, bois. Ça s'appelle de l'eau, tu sais, le truc, tu mets dans ta gorge et puis ça t'hydrate. Thank you. C'est bizarre d'écrire comme ça, mais je vous assure que c'est véridique. Et c'est tout? Tu me donnes pas d'indication? Non mais c'est quoi cette arnaque? Elle m'a pas donné d'indication! Arnaque! Je dénonce. C'est pas grave, n'y pense pas et éclate-toi sur ce live qui est ce jeu génial qui est Mad Max. Là on va s'amuser, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Comme dirait l'autre, quand tu commences un stream, tu laisses tes problèmes au placard. Hop, et tu profites de ta chouette voiture parce qu'elle est canon, ma voiture. Bonjour! Je viens pour discuter avec vous de l'éventualité de... Et là. De ne pas faire ça, voilà, de sortir. Voilà, c'est très bien comme ça. Tu sais, monsieur, si t'ouvres pas la porte, ça s'ouvrira pas, hein. Alors, tournez la vanne. Aïe! Hey, j'étais en train de tourner la vanne, t'abuses! Oula, j'ai pas compris ce qui s'est passé, on a fait un TP en arrière. Tapez-la, toi, je t'arrête tout de suite, je n'ai pas envie de discuter avec toi! Hey! Tapez-la, attends, wow, 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 hey! On m'attaque de partout! Vous êtes trop nombreux, les mecs! Hop. Voilà. Vous vous calmez un petit peu. Hein. D'abord, quand on rencontre des gens, on leur dit bonjour. Ensuite, on commence à les tabasser. Voyons. C'est le minimum de la politesse, tout de même. Par contre, ok, du coup, ces gens ont des voitures à l'intérieur. Ça me paraît quelque peu étrange, mais admettons. Wow, 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 wow! Hey, du calme! Wow, calm down, calm down! Hey, tu veux pas viser directement tes réservoirs? Regarde là, je suis là, t'as vu? Oh, même pas drôle, ils visent pas les réservoirs. Hop, et là. Alors, aïe! Faites mal! Ça va, ça va, ça va, je vais venir te descendre si tu veux. Oh là là, c'est gentil. Aucun sens de la conversation. Et maintenant tu vas me viser, hein? Nanananana. Coucou! Non, j'ai dit non! Je ne veux pas m'attaquer à toi! Toi, t'es méchant, toi, t'es. Chut, t'es boulouk! J'ai dit non! Tapalatayato! Sototodo! Tout va bien! Ouch! Hé! Hey, mais il est violent, monsieur au couteau! Oh, ça suffit, hein. Aïe, yo! Hé, hé, hé! Calm down, toi, là! Oh bah, pff. Oui, bien sûr, tout va bien! J'ai pas géré, je suis désolée, c'est... Je sais pas, l'autre avec son couteau, là, il m'a martyrisé. Franchement, c'était pas gentil de sa part. Je dénonce, c'est le mec au couteau, c'est sa faute. Voilà. Mauvaise foi, bonjour. Qu'est-ce qu'on fait là? Ok. Trouver un abri, bah on va s'abriter dans le petit camp qu'on s'apprête à visiter, non? Ça marche pas? Alors... Quand en alerte, à quel moment je ne suis même pas entrée, d'où vous êtes en alerte? Ou alors c'est à cause de la tempête que vous êtes en alerte? Alerte, il y a une tempête! Je suis censée rentrer par où? Ouh, un petit trou! On va rentrer par où? Ouch!
On était bien dans le trou en fait. Non, non, mais reste dans le trou. Reste dans le trou. Aïe. Là. Là, on est en sécurité, non? On est pas en sécurité? Oh bah zut. Ah oui, mais par contre, si on doit faire la baston avec la tempête autour, ça va pas le faire. Hein. Bah oui, bien sûr. Non, mais retour du mec au couteau et évidemment, il va me schtroumpfer le... Tiens, 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 tiens! Laisse-moi le taper! C'est le mec au couteau, faut le taper! Bon, ça suffit, j'arrête de viser le mec au couteau, hein. De toute façon, ça marche pas. Je vais me contenter de faire ce que j'ai à faire. Aïe! Faites mal, messieurs. Veuillez cesser. J'ai dit pas le monsieur au couteau. Il est pas gentil, monsieur au couteau. Tiens, tu vas prendre pour tous les autres, toi. Hop. Oh. J'ai mal pour lui. Pauvre. Voilà, c'est bon. Par contre, la baston dans la tempête, c'est pas génial, hein. Excusez-moi, j'essaie de retirer, de récupérer le petit couteau. Ah, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Donc je ne peux pas récupérer le petit couteau, malheureusement. Hop. Alors. Lance, lance! Non mais cette cruche, il gardait le truc dans la main, quoi! Ah, tiens, ça va exploser. Mais si je le gardais dans ma main? Après tout, il est bien, là, je veux dire... Ça fera que m'exploser les doigts, c'est pas grave. Oh, je vous jure, cet homme. Tiens. Il y a plein de choses à récupérer par là. Comment on y va? J'y peux aller dans les dans l'endroit là-bas. Hop. Bon. On va repasser de l'autre côté, du coup. Puisque la tempête s'est visiblement calmée. Hop. Aïe. Hop. Mais oui! Vas-y Max, je t'en prie. Reste au milieu des tirs. C'est tellement mieux pour pouvoir s'amuser. C'est bon là, il va se calmer monsieur. Ah, j'aurais peut-être dû m'occuper des défenses du périmètre. Hein. Ça aurait éventuellement pu être une bonne idée. Hop et là. Attendez, je vais rentrer à l'intérieur. Ah, bah attendez les... Attends, lâche. Lâche. Sérieux, je peux monter avec le... Waouh, mais cet homme. Dis donc, il sait en faire des choses. Aïe. Ah, j'aurais pu rentrer comme ça. Ah, tourne. Au secours. Tout va bien. Je ne reste pas là plus longtemps. Vu qu'apparemment j'ai détruit le truc que je voulais détruire. Bon, je vois qu'il y a une espèce de cache là, mais comment est-ce qu'on y va? Où se trouve? Il y en a plus? C'est quoi cette arnaque? Hop, alors. Mais là c'est pareil, comment est-ce qu'on y va? Par au-dessus, ok. Ah, de l'eau. Hop. Je suis à 100%, c'est bon. Bon. Bah alors si t'es là pour 100%, écoute. Et oui, il y a plus 50% d'eau dans cette source. Parce que je veux qu'il y ait 50% d'eau en plus dans cette source. Bonjour. Bonjour personne, puisque j'étais tout seul. Je veux juste faire un test de quelque chose, vous me permettez? Hop, alors. Est-ce que par hasard, si je balance ce truc pour qu'il explose... Lance, lance, lance! Non? Oh. Même pas efficace. Mais comment qu'on y va?
peut-être par au-dessus. Je sais pas. Nous verrons ça plus tard. Je vais arrêter de chercher des trucs. Oui, j'ai failli exploser. Mais c'est parce que je ne sais pas pourquoi cet homme, quand tu lui dis de lancer un baril, qu'est-ce qu'il fait? Il le garde dans la main, puis il te regarde. Je vais exploser, tu sais? Je suis tellement heureux. Ah! Bonjour, monsieur. Non, attends, j'ai fait c'est pas juste. Oh! Pauvre monsieur. Je te plains. Tu t'es fait retourner le bras, ça devait faire bobo. Mon pauvre chou. Tiens, j'entends les messieurs qu'on aide à descendre en général. J'aurais peut-être pas dû le... Mince. Il veut me faire en chèvre, ce mec. Mais là, c'est pareil. Comment qu'on y va? Par au-dessus? Oui, j'avais déjà dit en plus. C'est bien, je me répète au moins, tu vois, quand je suis en mode poisson rouge aujourd'hui, je repasse devant les choses et je redis la même chose, c'est... Hey, se faire retourner le bras, ça fait pas du bien, généralement. Oui, je pense que tu as raison. Poisson rouge, bonjour. Poisson rouge, bonjour. Pardon. Hop, on est reparti. Un aboyeur. Ouais, ça doit être ça. C'est un wouf wouf. Voilà, on va appeler ça comme ça, un wouf wouf. Bonjour. Les échelles, c'est pour les gens qui savent pas comment descendre autrement. Hop. Oh, il y avait un trou. Bonjour. Ravi de te rencontrer. Hop, de la ferraille. De la ferraille. La ferraille, la ferraille, la ferraille, c'est génial. Désolé. Un wouf wouf. En mode poisson rouge, quoi. T'es une petite sœur? Non, je suis pas une petite sœur, moi je suis une grande sœur, je suis. Mais c'est vrai que. Pour le coup, bon parallèle avec le Let's Play de Bioshock 2, je te félicite. Oh là là. Bon. Alors. Oh. Tant de barils de pétrole, c'est waouh. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Hop. Ouh, je peux briser. Bah j'ai cassé quoi? Y'a rien qui est tombé. C'est pas drôle. Recommencez, monsieur. Hop. J'ai cru voir... Ok, bonjour, j'ai des hallucinations maintenant. C'est nouveau. je connaissais pas, c'est... Ok. On est bien pas sorti de l'auberge aujourd'hui. Hop. Tu m'as fait peur, mais arriver par derrière comme ça, mais c'est faut pas foncer sur les gens, monsieur, voyons. Bye. Il y a Max qui sait pas qui frapper. Et à droite, et à gauche, et à droite, et à gauche. Oh, c'est beau. Ah le pauvre. Ouh, j'aurais mal au cou à sa place. Oui, je te ferai descendre plus tard. Hein. C'est ok Coco, parce que j'étais parti pour fouiller là-bas, moi, à la base. Donc je vais aller fouiller là-bas. Et après, je reviens te voir, ok?
Wop est là. C'était une blague. Je ne suis... Je vais pas aller là-bas quand même. Voyons, SNES n'a aucun intérêt. Ok, alors, voyons, voyons. Ouh, des réservoirs de transfert. Attends, je t'aide à descendre. 1, 2, 3. Oh bah zut alors. J'aurais peut-être pas dû. Hop. Alors, on enflamme et on envoie. Hop. C'est un honneur d'avoir reçu les sandwichs au écureuil volant. Du Captain Squa sandwich au écureuil volant. C'est très chaleureux. Ça demande. Ok. Je suis le Captain Squa. Ah! Ouh! Tant de pétrole! Ouh! Pardon. Je voulais dire. Sandwich Squa. Ça, sandwich Kuwa au capitaine volant, mais oui, bien sûr. Tu savais pas. Ça me paraît pourtant être un concept un peu plus clair, le sandwich Kuwa au capitaine volant. Oh là là. Alors, on dirait un genre de bunker ou un truc comme ça. Quoi, sandwich écureuil volant, d'accord. Alors, hop. Caniche, j'ai repéré ça. C'est peut-être un bon endroit pour nous planquer si les routes du sud sont bloquées. C'est à l'ouest de l'autoroute Bolton Ben. Je t'envoie les coordonnées pirates. Sandwich quoi, capitaine volant, si tu tiens. Oh là là. Pirate, non mais n'empêche, le mec s'appelle Pirate, direct. Alors, dites-moi, comment vous allez appeler votre fils qui vient à peine de naître? Pirate. Parce que je sais ce qu'il fera dans la vie plus tard. Ok. C'est là que je chercherai en premier. Oh. Salut pirate. Hop, allez hop, on remonte. Visiblement la suite de nos recherches se fera wouhou directement dans le trou. Oh bah en fait il y avait pas besoin de chercher, il était c'était juste là. Par contre il va falloir qu'on retourne chercher un réservoir, mais oui bien sûr. Un petit truc à faire exploser. Bonjour, bonjour, je vais prendre celui-là. Parce que, au pif. Voilà. Et donc, on peut descendre en ayant le truc dans les mains. C'est fou, ça. Balance. Voilà, sois gentil. Hop, on remonte. Et on regarde pas l'explosion parce qu'on est trop badass. Pirate était un bon nom, ok. D'accord, d'accord. La butte des épaves, détruire les réservoirs de transfert, c'est fait. Par contre, ouais, niveau emblème et ferraille, on n'y est pas encore, hein. Alors, oh oh, on commence à arriver à 1 de menace sur le territoire de Jeet. C'est sympa, ça. Bon, il va falloir partir à la recherche de la ferraille et tout ça manquant, hein, comme d'habitude. Pour ceux qui sont là régulièrement, vous me connaissez à force. Vous savez que je ne partirai pas sans avoir récupéré tout ce que je veux. Est-ce qu'il y a un chemin? Parce que j'ai l'impression qu'on va détruire ce truc, alors... Wouhou! Ok, alors, ça me surprend qu'il y ait strictement rien d'ici. Mais admettons. Alors, qu'est-ce que j'ai bien pu manquer et où surtout? Ah! Hop. Pas ici en tout cas. Alors, voyons, voyons, voyons. Alors, là-bas, j'avais pas pu bien regarder parce que j'étais en train de me faire frapper dès que j'approchais. Alors, on va se permettre de jeter un œil.
Ok, donc là visiblement c'est pour pouvoir repartir. Donc c'est pas ce dont on a besoin. Alors, voyons un peu. Là je suis pas descendu. Là il y a strictement rien. C'est fou ça. Oh. Toute une zone non explorée. Pourquoi j'ai l'impression de tourner en carré? Mais c'est qu'on tourne vraiment en carré en fait! Bah oui, le truc à eau il est là! Comment ça remplir la gourde? Je peux pas remplir la gourde, y'a plus d'eau! Ok. J'étais bien et bien en train de tourner en carré. D'habitude, j'ai souvent une petite idée de là où j'ai loupé des trucs, mais là je sais pas du tout. Mais alors, vraiment pas du tout, du tout. Hop. On va tâcher de remonter là. Là, je suis en train de revenir au début, du coup. Mais ils sont... Je veux les trucs qui me manquent, moi. C'est quoi cette arnaque? Oh là là! On me vole des choses! Ça va pas du tout, ça! Où se trouvent les deux emblèmes manquants? Et la ferraille manquante? Hop! Bon. C'était le petit tour inutile. Hop! Merci pour la ferraille, c'est très gentil de votre part. Mais je voudrais quand même finir ce camp, voyons. Il me manque deux emblèmes et deux morceaux de ferraille. Est-ce que ça suggérerait qu'il y aurait des emblèmes à côté de morceaux de ferraille quelque part que je n'aurais pas vu? On va voir ça. Ouh! Tout un petit coin que j'avais pas vu. J'étais en train de me faire tirer dessus en même temps, hein, faut me pardonner. Quand on me tire dessus, en général, je fais pas tellement attention à ce qui est autour. Hein. Ouh, emblème de Scrotus. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je pense que le reste se trouve là-dedans. Hop. Ah, mes deux petits bouts de ferraille manquants. Ah, chouf! Voilà. Et il me manque donc un emblème de Scrotus que je n'ai pas vu, pour le coup. Et il n'a pas l'air d'être là. Je revérifie bien comme il faut en tournant dans tous les sens, mais ça n'a pas l'air d'être là. Donc, je présume que ça doit être un emblème qui est quelque part et que je n'ai pas remarqué. Bon. Ça va? Tu vas bien, Max? T'es pas mort? C'est bon? C'est bon. Max n'est pas mort, je vous rassure. Tout va bien. Hop. On va essayer de repasser dans le trou. Hop. À part mener vers l'extérieur, tu mènerais pas vers un emblème de Scrotus que j'ai loupé, toi? Non. Ah bah, on dirait bien que non. Bon. Et bah dans ce cas on y retourne. On va bien finir par le trouver cet emblème manquant. Hop. Alors, on cherche un truc rouge qui brille. Ah bah le v'là. Bon bah au moins on n'aura pas cherché longtemps.
Voilà, parfait. Ouh. Terminé à 100%. Désolé pour ceux qui s'ennuient quand je fais ça, mais moi je préfère terminer les trucs à 100%. J'aime pas laisser des trucs derrière moi, ça me stresse. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont comme moi dans les jeux vidéo, pas aimer quand quand il manque un bout de truc. Pas grand chose, juste un bout de truc. Ça me... Je peux pas quoi, c'est pas possible, me demandez pas ça. Pitié. Donc, prochaine étape. Le petit truc ici. Et salut, monsieur, bienvenue sur le live. Bienvenue à toi. Hop. Alors, voyons à présent ce qui nous attend dans ce mini campement. T'es pas quelqu'un qui a soif, toi? T'as soif? Non, t'en as pas l'air. T'as juste l'air paumé au milieu du désert. Ok. Wow, quel rallye, bah oui. C'est sympa. Hop. Et puis les routes, hein, c'est pour les gens qui s'en servent, donc... Nous, on s'en sert pas, voilà. Hein. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Je tiens à vous présenter mes respects. Je m'appelle Max. Mad Max. Oula, l'autre il se calme. Bah vas-y. Non mais je te dirai rien, t'as y'a de tes collègues. Ouh. Oh, ça doit faire mal. Aïe. Allez, tape sur les gens, pas dans le vide. Ouais, t'es là. Voilà. C'est bon. Ouh. Tu mets des sacrés tatanes, oui je trouve aussi. Et quoi, très stressé, c'est quand tu laisses un tout petit truc dans une zone, c'est ce qui s'appelle être maniaque. Je ne vois absolument pas de quoi tu parles. C'est de l'approximation, voilà, hein. Je suis pas maniaque, je suis perfectionniste. T'es encore en voyage dans ta tête, t'es sûr que tu peux continuer? C'est quoi ce truc? Moi je conduis très bien, je suis en voyage dans ma tête. Ah, désolé, mais c'est extra cette expression. Dans ma tête là, je suis au Caraïbes. Il fait chaud, il y a des plages, c'est cool. Pardon, je suis partie un peu trop loin. Je vais revenir sur Terre, vous inquiétez pas. C'est juste que ça m'a complètement... Eh, charmant. Toutes les personnes décédées. Ah! Dépêche-toi, récupère la ferraille, va-t'en. On s'en va d'ici, il y a trop de squelettes à mon goût. T'as pas à avoir honte de ça. Tu sais, je suis aussi maniaque que toi. Je te l'ai dit, c'est pas de la maniaquerie, c'est du perfectionnisme. Hop. Allez hop. Donc, on va tâcher de remettre un petit peu d'essence. Équiper le sniper. F, faire le plein, voilà. Oui, parce que j'oublie la touche à chaque fois. Hein. Ok, alors, il doit rester un peu d'essence là-dedans. Donc, on va faire ça, et ensuite... Wouhou! Voilà. Hop. Ah! On va y arriver. Voilà, c'est mieux. Hop. Prochaine étape! Voyons où notre voyage va nous mener. Un sniper. Oh, un sniper. On va aller faire du jeu à qui tire le plus vite. Arrête de défendre une cause perdue, c'est être maniaque, c'est comme ça. Je te répète que c'est être perfectionniste, ça suffit. Voyons.
Puis d'abord, reviens plutôt sur le voyage dans la tête, c'est mieux. Je préfère le... Oh, un convoi. Oh non, il y a un convoi. J'aime pas les convois. What, mais là... Excuse-moi, j'ai avancé un petit peu trop. Oh, puis si, attends. Si, 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 j'ai une idée. Vas-y, fonce, 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 fonce. R. Wow. Et c'est ce qui s'appelle Mad Max Ragdoll, qui nous fait encore une imitation du ver dans le désert. Tu m'as loupé, tu m'as loupé, nananère. Tu m'as loupé, tu m'as loupé, nananère. Je vais t'aider à descendre. Et je vais descendre à mon tour, mais calmement, hein, parce que j'en ai marre de perdre des munitions comme ça. T'es pas encore mort. Oh, c'est super. Oh, j'avais peur de t'avoir tué et de risquer de perdre tes munes. Mais c'est pas le cas. Hop et là. Deux balles de sniper, une balle de fusil et de la boue sponsorisée par Dinkly. Tout va bien. Bah quoi, je suis en voyage dans ma tête tout le temps, moi. Ok, bon, bah si certains sont en voyage dans leur tête, c'est vous qui voyez, hein. Hop. Ah, qu'on voit pas loin. Et qu'on voit pas parce que... Voilà, hein. Je les regarde pas. Ah, c'est pas le convoi, ça, c'est juste des Pékins. Mais écoutez, très cher Pékin. Hop. Hop, donc là, il n'y a rien à récupérer, en fait. C'est pas considéré comme une planque ou quoi que ce soit. Ah bah si, facultatif, 0 sur 3. Non, non. Il m'a fait flipper, ce mec. Oh. Bonjour, le convoi. Ah, quoi, quoi, quoi. Où? Qui? Quand? Comment? Pourquoi? J'ai entendu un cri en mode YATA, je vais t'attaquer. Et puis en final, il y a personne qui vient. C'était un YATA inutile. Oh, bonjour monsieur. Avez-vous entendu parler de notre programme de fidélité? Une tatane offerte pour deux tatanes achetées. Non? Bon, d'accord. Bravo. GG Max. Maintenant, tu peux te relever. Voilà, c'est bien. Gentil garçon. Hop. Bon, tout ça me dit pas. Non, non, tu ne m'as pas vu, tu ne m'as pas vu. Je ne suis pas là, je ne suis pas là, laisse-moi tranquille. Eh, hey, hey, regarde, regarde, je vais te brain, je vais te brain. Ah. Non, 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 tu peux pas me rejoindre. Ah oh, bah si tu peux. Ah bah non, tu peux pas parce que t'es trop stupide. Et regarde. Maintenant tu m'attrapes comment? Bah je t'en prie, vas-y, fonce-moi dessus. Oh, il m'a lancé un caillou. Mon dieu. Coucou. Tu veux te battre? On peut discuter, regarde. Hop. T'as aimé notre discussion? C'était une conversation fort intéressante. Non. Bon bah non, il est pas d'accord. Bon, c'est pas cool ça, parce que ça me fait deux véhicules à détruire maintenant. Le caillou, il t'a rien fait, mais oui. C'était le caillou inutile. Bah alors, recule. On va jouer aux auto-tamponneuses pour changer. Hop. C'est ce qu'ils appellent raté en beauté plutôt. Hop.
Mais du coup là, si Scrotus passe, est-ce qu'il a l'impression que... Enfin, si les hommes de Scrotus passent, est-ce qu'ils ont l'impression que je suis Max ou que je suis un homme de Scrotus qui tape un autre homme de Scrotus? C'est une excellente question tout de même. Oui, je récupère des bouts de débris dans les flammes et ça me fait même pas mal. Et pour la deuxième, j'ai la flemme. Donc on va lui dire... Bye bye. Voilà. Hop. On récupère un petit bout de débris dans les flammes. Enfin, pas dans les flammes, justement, sur le sable, et un autre dans les flammes. Voilà. J'ai mes deux petits bouts de ferraille. Donc on va pouvoir y aller. Hop. Oh, regardez. Micro-tornade en formation. C'était mignon. C'est une tornadette. Ou une tornadoune, comme vous voulez. Oui, je suis revenu. Tu vois. Hop. Alors, prochain objectif. On a un épouvantail. Ouh, mais c'est qu'on a deux petites décharges juste derrière moi. Va falloir aller leur rendre visite. Faudrait quand même pas les laisser toutes seules, les pauvres. Pourrait se demander ce qui se passe. Quoi? Tu veux abattre quoi avec ton harpon de magnum? Voilà! Première petite décharge. C'est mieux de s'arrêter avant de taper dans le mur en général, mais qu'est-ce que vous voulez, hein? C'est juste que j'aime bien faire des faire la connaissance des murs avec ma voiture. C'est pour qu'elle se sente moins seule! Oui, bon, d'accord, cette excuse ne fonctionne pas. Hop. Une tempête de sable. Tu l'as vu où ta tempête de sable? Elle est toute petite, c'est pas possible. Non, non. Il est tombé dans le trou entre les deux. Max, sérieux? Toi et tes petits sauts de caribou là. Alors, hop. Non. C'est une blague. Sérieux. Cet homme est une blague! J'ai appuyé sur le bouton pour que tu fasses un micro-saut là, des micro-sauts qui servent à rien. On est dans un jeu vidéo, voyons! Tu veux bien sauter correctement? Voilà, tu vois quand tu veux, gentil garçon. Hop! Top. Ah bah voilà, la roulade ça fonctionne aussi. Ça fonctionne mieux même, je dirais, parce que c'était totalement imprévu que ça marche. Hop et là. Il s'est pété la jambe, le pauvre. Bon, pourquoi tu me dis qu'il reste quelque chose? Y'a plus rien là. Si? Bah non. Alors. Il y a une relique historique que j'ai manquée, visiblement. Mais où peut-elle donc être? On va voir ça. Est-ce qu'il y a possiblement, mais oui bien sûr, possiblement, un accès vers un intérieur que je n'aurais point vu? Parce qu'en général, un petit point qui survole, je le vois, quoi. Non. Est-ce que ça a l'air d'être à l'intérieur? J'ai pas l'impression. À la recherche de la relique perdue! Pour changer. Hop. D'habitude, c'est les bouts de ferraille que je trouve pas, et là, c'est la relique. Oui, je suis encore tombée sans le faire exprès. Mais c'est pas grave. Hop. Arrête de me dire de monter dans la voiture, j'ai l'impression que j'ai trouvé ce que je cherchais alors que pas du tout. C'est fou ça. C'est fou ça. Alors... Je suis perplexe. Ma foi. Je sais pas vous. Mais je suis perplexe.
Voyons. Attendez, je suis pas en train de rêver, y a rien devant mes yeux là, c'est... Ah! Je te vois! Bon. Et ben on a plus qu'à espérer qu'on va réussir à refaire fonctionner le petit saut de caribou de Max. Une petite souris qui s'est enfuie. Hop là. Je fais les roulades hein, parce que ça fonctionne mieux. Même si c'est pas très logique. Je suis pas sûre que si tu fais une roulade au-dessus d'un trou, tu passes de l'autre côté. C'est... Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein? Hop là. Alors, c'est quelqu'un qui montre une fenêtre à une petite fille, visiblement. Hop. Une dernière photo de notre merveille avec des cheveux. Elle va ressembler à une skinhead à cause de l'épidémie. Sympa! Tous les enfants doivent se raser la tête pour éviter d'attraper des peaux et de répandre la maladie. On doit même brûler les cheveux. Oh. Plague, riots, starvation, war, pestilence. It all came down around us. Oh. Oh. Bah désolé pour toi gamine. Oh. D'accord. OK, c'est waouh. Bon, c'est vrai qu'après le lore de Mad Max c'est quelque chose d'assez sérieux dans le genre donc ça ne m'étonne pas plus que ça, mais... Waouh! Ah d'accord, ok. Bon. Hop! Alors, voyons un peu ce qui nous attend à présent. Brûler des cheveux. Je suis pas contre, par contre, quand il y en a trop, ils sont vraiment, vraiment... Ah. Attendez, 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 c'est quoi cette histoire? Il est où ce micro-campement? On la fait pas à moi, hein. Oh, ça va, on a sauté une petite dune, hein. C'est bon, tu vas pas t'exciter pour rien non plus. Alors, hop, je voudrais aller là. Mais sauf que je sais pas comment. Visiblement, ça se trouve au-dessus. Une solution. Un moyen de monter, quoi. Waouh! Qu'est-ce qu'il m'a fait là? 360, tout va bien! Hop! Je suppose qu'elle est au-dessus, hein, parce qu'elle a pas l'air d'y avoir. Des fauchemorts. Ah non, pitié, j'ai pas envie de me battre, quoi. Enfin, si, mais pas pour des... contre des voitures. Et puis pour 3 secondes de... Il doit y avoir un moyen de monter. Et si je devais exprimer une hypothèse, je dirais que c'est par ici. Mais comment? Parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait de chemin prédéfini spécial. Ah! Pourquoi je peux pas voir au-dessus? Bon, attends. Tu sais quoi? On va faire. Hop! Voilà! Avec le snipe, au moins, je peux regarder un peu ce qui se passe. Alors. On va faire un peu le tour. Parce qu'il doit y avoir un. Il doit y avoir un moyen de grimper, hein, même si je sais pas ce que c'est. Ce n'est pas incroyable, elle prend la tête! Bah oui! Oh là là. Hop! Vite, 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 dépêche, dépêche! C'est juste un convoi, on est tranquille. Les convois ils t'attaquent pas en général, c'est toi qui les attaques. C'est quand même bizarre, il me signale une truc là, mais je vois rien, il y a pas de fente dans la roche. Stop! Je l'ai vu! Vas-y, sors, sors, sors! Je sais où c'est! C'est dans un trou! Ah, pour le voir, celui-là, fallait le chercher, hein! Oh la vache! Ouh!
Waouh, ça ressemble carrément à un temple. Il a mis son fauteuil posé là comme ça. Je suis un dieu. Mais confortable, tout de même. Oh là là. Non mais ça, attends, on peut grimper? Oh, allez, vas-y. Pff, Max, fais ce que je te dis, un peu grimpe. Va t'asseoir sur le fauteuil. Non mais quand même, c'est... Waouh. Il s'est mis carrément un fauteuil. À mon avis, ça doit être le crâne d'une bestiole ou un truc dans le genre. Et il s'est mis son petit fauteuil avec son petit feu à côté, là, tranquille. Oh là là. Puis quand tu parles de fendre dans la roche, bah oui. Hop. Ah non, mais c'est bien posé, hein. Franchement, le gars. Il devait être tranquille, quoi. Waouh. Voilà. Oh. D'accord, si on va par là. Regardez, nuit. Jour. Nuit. Jour. Pardon. Je suis pas gentille, j'ai détruit un peu du territoire. Ah là là. Pardon. Et le fauteuil il est posé sur un canapé, mais oui. T'as vu ça un peu? C'est... Le gars il s'est installé mais tranquille quoi. Hop. Pardon. Je sais que ça fait des petits bruits dans le micro, mais bon. C'était pas volontaire. Je te vois. Je vois un truc qu'on va pouvoir aller dégommer. Hop et là. Attention. Au fond du cocooning. Mais oui, manquerait juste la petite couette, la tranquillou, et puis voilà. Hein. Je savais que ça allait faire ça. Arg! Ce ratage total. T'essayes de bien viser, puis au dernier moment tu dérives. Bah oui, parce que sinon c'est pas drôle. Hop. Alors excusez-moi, je vais viser. Voilà. Bravo! C'est pas gentil de se moquer. Wouh! Ok, ok, d'accord, je fais ça à la classique, hein. Oh là là, tout de suite. Vas-y. Quoi? Quelque chose. Bon, ce truc, on peut pas la battre, visiblement, on n'est pas assez fort pour ça. Oh. Oh. Une petite tanière qu'on va pouvoir faire exploser. J'aime bien les tanières qu'on peut faire exploser, moi. Hop. Je me moque pas, je constate. Oh, ça va. De toute façon, je pouvais pas le détruire, j'ai pas le niveau de harpon suffisamment élevé. Youpé là, voilà. Bonjour, bonjour! Bah. Oh, un trou. Encore un. Mais y'a des gens ici! Hop là! Oh les. Doucement! Oh! Non mais. On n'attaque pas les gens par derrière, hein. C'est pas autorisé. Alors. Avant d'activer cette bombe, est-ce qu'on a quoi que ce soit à récupérer ici en fait? Eh ben non. Et bien sûr, cette bombe est super bien faite, elle va attendre qu'on sorte. Pour.
lead truck. It carries a great and powerful artifact. Normal. Serve us well to wield such a mysterious force. There, its beating heart revealed. Voilà. Hop. On a détruit la petite base souterraine. Dis donc, mais il y a trop de choses à faire dans cet endroit, c'est pas possible, je vais jamais m'en sortir. Attends, tu dis quoi? Le mec il a tracé sans daigner tourner la tête vers toi. Bah oui. Comment tu voulais que ces mecs ne me remarquent pas? Je suis passé au-dessus quoi. Et là. J'aime! Ah, punaise! Les deux voitures qui ont voulu foncer! Elles ont voulu foncer comme moi et elles sont rentrées dans le mur, elles ont explosé! Oh! Méchant le lag, méchant! Ah, c'était beau! Ok, le mec s'est pris un coup, il est décédé. Ah non, la deuxième n'a pas explosé. Ah d'accord, j'ai cru. Non, il y en a qu'une qui a explosé. C'était quand même marrant. La voiture qui te suit mais qui explose une fois arrivé sur place. Oh là là. Hop. C'est à cause du lag. Hein. Moi, quand je vois des lags, j'ai tendance à sauvegarder. We're under attack! Je suis même pas rentré dans votre camp encore, laissez-moi le temps quand même! Hop! Doucement, monsieur! Voilà! Punaise, mais c'était beau! Je m'arrête tranquille, il y a l'autre voiture qui se ramène et qui explose derrière! C'est n'importe quoi! Oh là là! Ah, bah là au moins elle est posée bien quoi, c'est retourné bien pile poil. Hop. Oh, c'est quoi, c'est l'endroit qui fait bug, qui fait. Je suis repassé exactement au même endroit, ça a relagué exactement de la même façon. Ah bah. Hop. Ok, alors un petit bout de ferraille ici. Mais c'est que c'est un bon petit campement, ça! Est-ce qu'il y aurait un élément de projet dans le coin? Ok, la ferraille sous la voiture, bah oui! Mais c'est tout à fait... Oh, waouh! Je peux la prendre? Oh, oh bah je vais la prendre, je vais l'emmener, je vais la ramener chez moi, attendez! Sérieux, c'est super. Cette voiture jaune fluo pimp quoi. Oh là là. Bon, alors voyons un peu. Hop. Ok, eux c'est pareil, ils ont leur petite lampe et tout, ils sont bien posés, bien tranquilles. Hop. Cartouche de fusil, cartouche de snipe. Bah alors, tu chopes? Tu sais plus prendre une échelle? Non mais je te jure. T'inquiète pas, tu peux le faire. Tu iras bien. Nous sommes avec toi, Max. Hop. On va pouvoir aller contempler l'horizon. Hop. Waouh. J'aime bien. Le paysage est magnifique, mais alors cette petite icône qui passe en fond, c'est pas génial. Tu vas miam miam. Bon bah alors bon appétit. Hein. Hop. Peut-être un problème de codage ou je ne sais quoi à cet endroit précis. Codage, ça ne veut rien dire, mais admettons. Mais c'est... J'aime bien les couleurs. Je sais pas, c'est... Il y a du rose, du bleu et tout. Ça rend vraiment joli.
Le ciel est vraiment beau. J'aime bien. Hop. Par contre, c'est pas une bonne nouvelle parce que j'ai l'impression qu'on se rapproche de la nuit. Et la nuit, j'aime pas. Parce que la nuit, c'est méchant. Alors, voyons. Hop, j'avais loupé un petit bout de ferraille ici. Ah, des charges explorées à 100%. Pas d'éléments de projet, donc. C'est bizarre, parce que ça m'a pourtant l'air d'être une décharge bien... bien avancée, quoi, par rapport à ce qu'ils font en général. Alors... est-ce qu'on va pouvoir l'emmener ? Laissez-moi sortir! Je veux sortir! Grimpe! Voilà. Peut-être qu'on peut appuyer sur le petit bouton? Oui! J'ai un des petits boutons. Parce que ce véhicule est quand même pimp! Oui! Oh, et en plus, il a des... Mais arrêtez, mais c'est un véhicule de malade! Il a le boost et tout, il a la couleur, il a le... il a des emblèmes et tout, mais c'est un véhicule spécial, c'est pas possible, c'est... je sais pas, il a un truc. C'est fou ça. Ah mais il est carrément extra ce véhicule. Et en plus, il est doré. Non, mais franchement, on peut pas faire mieux. Hein. C'est... waouh! Je suis choquée. Mais clairement, je m'attendais pas à ça. Ne pas envoyer ce véhicule dans le décor, ne pas envoyer ce véhicule dans le décor. Tout ira bien. On va s'en sortir. C'est bon. Oh, je l'ai ramené. Tout va bien. C'est quoi? C'est un véhicule spécial. Voilà. Alors, il faut que je vois ça. C'est dans le, ça, et puis collection. Du coup, on a ramené le super véhicule doré. Voilà, c'est ça. Cette machine brillante, puissante et solide, elle supporte les impacts sans broncher, mais elle est très gourmande en carburant. Ah. Hop. Mais c'est fou, enfin, il est... je m'y attendais pas à trouver un véhicule comme ça, quoi, c'est... waouh! Il est spécial, c'est... ok. Alors... ça commence déjà à être jaune, hein, cette partie-là. Faut dire que je crois qu'on a nettoyé les camps, donc maintenant il reste surtout les épouvantails et puis les trucs, là, les décharges à récupérer. Donc... quoi? Attendez, c'est quoi cette histoire? Ferraille, relique historique, relique historique, ferraille. Là, on a un sniper aussi. Oh, ok. Par contre, j'ai pas les... il me semble que j'ai pas fait les champs de mine, si. J'en ai fait un sur les deux, qui était ici, du coup. Et il faudra qu'on voit où se trouve le deuxième champ de mine dans cette zone. Faudra qu'on voit. Bon, du coup, hop. Voilà, je pense que là, on a quand même fait des choses assez sympas. Moi, j'ai bien aimé, en tout cas. Bon, bah, ce sera le super véhicule doré pimp qu'on a récupéré. C'est... waouh, il m'a surpris. Je m'y attendais pas, clairement. Voilà.
Bah, j'espère quand même que vous vous serez amusé, hein. Autant que moi. Je me suis bien éclatée sur cette vidéo, c'est sympa. De pouvoir un peu faire tout ça avec en commençant par le petit camp et tout. C'était plutôt cool. Bon, les recherches de trucs manquants, je vous l'accorde, c'est un peu... voilà, quoi. Mais bon, faut bien le faire, hein, de toute façon. Donc, pardon. J'espère quand même que ça vous a plu autant que moi. Moi, je me suis bien amusée. Et puis, bah, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous êtes intéressé par les lives, vous avez le planning qui s'affiche maintenant. Non, mais là, maintenant, vraiment, hein, je vous assure, vous pouvez regarder, c'est affiché. Donc n'hésitez pas à venir pour pouvoir assister en direct à cette session à laquelle vous venez d'assister du coup en rediffusion. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si ça vous a plu, et bah, vous pouvez toujours mettre un petit like, c'est toujours sympathique et puis ça m'encourage dans ce que je fais. Même si je le fais surtout parce que j'aime ça, faut l'avouer. Et si vous voulez laisser un petit commentaire pour me dire, je sais pas, soit ce que vous en avez pensé, soit si vous avez des astuces ou des conseils, ou tout simplement parce que vous avez envie de raconter quelque chose, même si évidemment ce serait mieux que ça ait un rapport avec la vidéo, vous pouvez vous exprimer, de toute façon les commentaires sont là pour ça. Je vous remercie d'avoir regardé, vraiment, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde.